Yo les gars, c'est comment? Toujours Rito, j'espère que vous allez très très bien. Seconde vidéo de la journée et on parle de Vétulolas et de Safari le Biang, les amis. Je vous prie d'écouter cette vidéo-là jusqu'à la fin, de la partager parce que j'ai un pincement au cœur et c'est ce que je vais exprimer dans cette vidéo-là. Beaucoup l'ignorent parce que, bon, comme Latisse n'a pas une grande audience sur ses différents comptes et depuis qu'il a laissé son information, ça n'a pas fait bruit. Et moi, comme j'apprécie Latisse et comme je l'aime bien, je parle bien de Vétulolas, j'aimerais revenir dessus et lui adresser un message qui, peut-être, qui sait, va le faire changer d'avis. Voilà. Donc, on parle dans cette vidéo de Safari Le Biang et de Vétulolas. Safari Le Biang qui est dans un faux mariage et Vétulolas qui décide de. On se prend juste après le générique, les amis. Il en fait pour nous, on le fera pour vous. Car dans la vie, mon présent, c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? C'est progrès, progrès à la base. Je procède à des virements, des virements. Bien avant que je me prononce sur les sujets essentiels de cette vidéo-là, vous connaissez, hein, voilà, c'est du tic au tac maintenant. J'ai remarqué ces derniers jours-là, je ne sais pas si ce sont des jaloux, mais ce sont les sorciers d'Eritor qui viennent en commentaire comme quoi, Eritor, tu n'es plus crédible, tu n'es plus objectif. Ah bon, aujourd'hui, Eritor n'est plus objectif. Parce que simplement, Eritor donne son avis qui ne vous plaît pas. Oh, vous là, vraiment, votre hypocrisie, vous ne pouvez pas laisser ça, hein, ça ne peut pas vous lâcher, on dirait. Pourquoi est-ce que vous pensez que je ne suis pas objectif? Yeah, dans mon direct hier, est-ce que vous avez bien écouté mes propos? Est-ce que vous avez bien compris mon français? Je parle même pas un français soutenu, je parle un français de base, c'est-à-dire un français, on va dire familial, quoi, terre à terre. Mais c'est difficile pour vous de comprendre. Quand tu n'es plus objectif, tu prends la défense d'Idi Arafat. Tu n'arrives plus à dire la vérité d'Idi Arafat. Il vous dit une vérité, hein. Moi, il n'y a peur de personne ici. Voilà. Parce que celui-même qui veut me faire du mal va mourir. Il n'est pas éternel. Donc, avoir la personne par rapport à quoi? J'ai reçu une très bonne éducation, donc je ne vais jamais venir insulter ou vilipender qui que ce soit sur les réseaux sociaux. Mais je dis seulement des choses qui peuvent améliorer mon showbiz, qui peuvent améliorer l'image de ma musique africaine et même ivoirienne. Parce que si vous ne savez pas, tout ce qui se passe actuellement dans le showbiz ivoirien, sentez détériorer l'image de la musique ivoirienne. C'est la vérité que vous n'arrivez pas à dire aux gens, moi je vous dis. C'est en train de salir ça correctement même. Mais bon, on va dire quoi, c'est le game, non, d'après vous, c'est ce que vous mettez en commentaire, c'est le game, c'est le game. S'il y a une personne, s'il y a un youtubeur qui dit clairement la vérité à Didier Arafat lorsque ce dernier-là fait des choses qui ne sont pas bonnes, c'est bien moins irritant. Et aussi souvent, le grand frère Wistef, arrêtez un peu. S'il y a quelqu'un qui dit les vérités, je parle seulement à Didier Arafat, à qui vous voulez dans ce showbiz ivoirien-là, c'est bien irritant. Je n'insulte pas, mais quand c'est pas bon, je lui dis non, cher artiste X. Franchement, tu devais faire comme ça, tu n'as pas fait comme ça. Faut pas faire comme ça parce que ça risque de faire ça dans ta carrière, truc musical, ça risque de faire comme ça dans ta carrière musicale. Arrêtez d'emmerder les gens. Arrêtez de m'emmerder. Voilà. Moi maintenant c'est du tic au tac. Si vous ne comprenez pas, je vais faire souvent ces petites introductions là pour vous éclaircir un peu. Parce que vous parlez trop. Et vous, c'est vous qui parlez pour ne rien dire en fait. Quand moi je parle, je sais ce que je dis. Quand tu n'es plus objectif. Parce que je partage un point de vue qui n'est pas le vôtre, je suis plus objectif. Faut plus je vais être objectif. Ceux qui pensent que Eritor est toujours objectif, ils sont toujours là. C'est pourquoi mes abonnés augmentent là. Voilà. Et grâce à Dieu, il atteint les 100 000 abonnés là. Il a fermé votre bouche. Voilà. Vous aimez trop ça. Si vous voyez que moi, je les ai déjà dit, si vous voyez que jusque là, je n'ai pas vite atteint ces 100 000 abonnés là. C'est pas parce que les gens n'aiment pas. Hein. Les gens aiment mon contenu. Vous voyez, il fait beaucoup. J'ai une très bonne audience et tout va bien pour ma chaîne. Mais c'est parce que je suis d'un franc parler. Et puis, on va dire aussi que j'ai commencé avec une étiquette où j'avais pris parti pour un artiste. C'est tout. Si vous savez que vous me parlez là, vous êtes fan d'Eritor, vous savez ce que je dis, c'est la vérité. Mais comme souvent, je fais des vidéos qui ne sont pas pour vous là, qui ne sont pas comme vous pensez là. Je suis plus objectif, je suis plus crédible. Ah, c'est vous qui voyez. Dans moi, il y a qu'à venir tous les jours insulter Didier Arafat, chose que je ne le fais pas, ou bien de quoi, s'il n'a pas raison, il a tort ou bien. Écoutez bien mes vidéos. Mon direct d'hier là, c'est encore en ligne. C'est vraiment qu'on fait un jour. Allez bien écouter ce que j'ai dit. En même temps que je vous demande de ne pas vous moquer, de ne pas vous moquer Didier Arafat. Par rapport à sa situation de soi-disant, sa pseudo chose hors séparation. Là. En même temps, je vous dis aussi, je lui ai dit lui-même que c'est pas bien. Que c'est pas bien. Ou bien, je lui ai simplement dit dans la vidéo que ah, c'est parce qu'il a l'habitude de dire ça aux gens qu'ils ont fini par dire ça sur sa femme. Donc, il ne faut pas qu'il se fâche, qu'il reste toujours dans sa relation. Quoi, je suis plus objectif. Vous n'avez rien à dire, les amis. Quand vous n'avez rien à dire, vous la fermez ou bien vous ignorez et le temps de chercher TV tranquillement. Sans vous là, il y a des gens qui vont venir regarder mon contenu parce qu'ils aiment ce que je fais. Vous êtes dans vos salons, je ne sais pas où vous n'apportez rien dans cette musique ivoirienne. Quelqu'un va venir se démerder à son niveau pour propulser un peu le mouvement, faire la promotion des artistes ivoiriens. Vous allez venir en mettre. Vous faites chier le monde. Voilà. Moi, ils m'en fous de toutes ces personnes-là. Ces fausses personnes. Je ne parle pas de vous, des abonnés. Hein. Ils se connaissent. Ils se reconnaissent très bien. Arrêtez d'emmerder le monde-là. On commence maintenant les propos à Vétulolas et Safari Le Biang.
Une petite gorgée d'abord avant de commencer la vidéo, hein? Voilà. Ok. Ça fera le bien. Apparemment, on dit que t'es marié. Mais calmez-vous, les amis. Calmez-vous, les amis. Quand j'ai bien regardé le cliché de ce soi-disant mariage, j'ai su que c'était pas un vrai mariage. En tout cas, pour ma part, je sais que c'est pas un vrai mariage. Voilà. C'est une stratégie de communication pour la sortie du clip. Et je suis sûr, à 99%, que ces images-là sont l'affaire des images du clip à Bougon. Et ça, c'est clair. Voilà. Ne vous emmerdez pas. Safara ne s'est pas encore marié. Sinon, s'il voulait se marier, là, voilà, on allait être au courant. Et on allait vous dire ça. Il ne s'est pas marié. Même info sur truc encore, une autre info encore sur Safara Le Bien. Le 8 juin, j'espère que vous n'avez pas oublié Paris. Paris, j'espère que vous n'avez pas oublié au Doc Eiffel. Je crois en 2018, mais je ne sais pas même si c'est en 2019, hein, le groupe Magic Diesel a allé représenter dignement le mouvement Zouglou, un mouvement encore ivoirien. Et cette fois, c'est le coupé décalé. C'est le coupé décalé avec avec Safarel ou bien. Et moi, tout ce que je vais vous demander, c'est de soutenir aussi ce mouvement-là. C'est vrai que le mouvement, il est jeune, mais grâce à vous, il peut perdurer. Il peut durer. Voilà. C'est vous qui rendrez viable ce coupé décalé-là. Si vous ne sortez pas pour aller massivement à la 2500 place Dockerfell, vous se dites, ça va bien. Ce sera encore la honte pour le coupé décalé. Parce qu'actuellement, le coupé décalé essaie de se relever tant bien que mal, mais ce n'est pas encore le top niveau. Et je pense bien que si nous réussissons ce pari-là, au Dockerfell avec Safra Le Bien, ça va changer la donne. Ça va vraiment, vraiment changer la donne. Donc j'invite toute la France, tous les adeptes du coupé décalé qui sont présentement en France, qui vivent en France, qui sont allés chercher en France, de faire un effort ce 8 juin-là. Parce que Safra Le Bien, Inch'Allah, viendra avec ses ninjas. Quand je parle de ses ninjas, c'est super chorégraphe. Donc ce sera un spectacle de ouf. Un spectacle de ouf. Voilà. Si Magic Diesel l'a fait, on dira c'est les autres. D'accord. Mais Safra Le Bien peut le faire aussi. Parce qu'il a aussi une grosse, grosse populace derrière lui. Voilà. Donc j'invite tout Paris. Voilà. Tous les vrais Mogwai, les vieux Mogwai, Abou des Bandits, Kabongo, Bloco, les Pititi. En tout cas, tous les hommes forts. Faites tout pour que cette fête-là soit une très belle réussite. Parce que c'est le coupé décalé qui gagne. C'est la musique ivoirienne qui va gagner encore. Donc je compte vraiment sur tous les fans de Paris. Sortez massivement, je dis bien massivement, soutenir Safarel Obiang. Cependant, je m'adresse maintenant à Vétu Lolas. Les amis, le 23 mai, Vétu Lolas a fait une publication avec le lien de son dernier single, Aïcha Kone, qui est de très belle facture, qui est vraiment un très très bon son que moi j'ai apprécié, mais j'ai pas eu le temps de décrypter. Mais ce qui est malheureux dans ce poste-là, c'est que Vétu Lolas n'annonçait pas une bonne nouvelle. Voilà, il n'annonçait pas une bonne nouvelle. Il est venu comme ça dans son poste. Nous dit, c'est ce que vous voyez en miniature, là, nous dit qu'il a trop fait. Voilà, il s'est trop donné, il s'est trop débattu. Il n'en peut plus lui-même faire sa carrière musicale. Je sais que c'est chose impossible. Je sais très bien que c'est chose impossible parce que Vétu Lolas adore la musique. Vétu Lolas vit que pour la musique. Vétu Lolas a apporté beaucoup à la musique ivoirienne. Donc ce serait trop facile, vraiment vraiment trop facile qu'il stoppe sa carrière musicale. Ce sera vraiment vraiment facile. Donc si moi je fais cette vidéo là, c'est pour lui envoyer un message. Pour lui dire, Vétu Lolas, tu ne dois même pas être triste. Parce que souvent tu es triste quand tu vois souvent le succès, souvent tes petits frères, des personnes qui ont commencé après toi. Mais faut pas oublier que tu as eu du succès aussi. C'est pas un seul succès. J'ai donné rendez-vous là à ma petite Golaï. Elle est venue me voir avec sa soeur. Vous vous rappelez ce son-là? Ça a été un carton. Chamakwana, carton. Tu as fait ton temps. Pour te dire que tant que tu n'es pas encore mort, c'est Dieu qui décide, tu te donnes le succès. Ne regarde pas le succès de tes amis pour penser que tu fais pas du bon travail ou bien tu peux penser que tu es trop en état. Non, le succès vient à tout âge et à tout moment. C'est pas maintenant que tu as été découragé. Hein? Si tu as eu toutes ces années d'expérience là, c'est pas pour t'arrêter maintenant si bon chemin. Maintenant, si c'est un buzz, franchement, c'est un vilain buzz parce que toi, t'as pas besoin de buzz pour mousser. Voilà, il faut juste persévérer, ton succès va revenir. Voilà, si toi, tu arrêtes de faire la musique, il y a beaucoup d'artistes qui auront beaucoup de problèmes. Ils le savent très bien. Donc, tu n'as même pas le droit d'arrêter ta carrière musicale. Voilà, c'est impossible. Aïcha Kone se comporte bien. Tu sais que depuis que tu as créé ta chaîne, c'est l'un de tes sons qui a eu le plus de vues. Donc,
Il faut continuer à faire ta promotion. Nous aussi, de notre côté, on fera comme on peut. Voilà. Comme je vous dis, les amis, le dernier virtuelleur actuellement, c'est Aïcha Kone. Le lien est, la description de ma... est dans la description sous ma vidéo. Allez regarder. Si vous ne retrouvez pas le lien, vous pouvez taper dans la barre de recherche YouTube Aïcha Kone. Vous allez voir ça. Je compte vraiment sur vous pour le soutien. Parce que je comprends peut-être que l'artiste devient dépressif parce qu'il a apporté tellement dans ce mouvement-là et puis son heure ne sonne pas encore. Donc, il est un peu triste et il veut tout lâcher. Et moi, je fais cette vidéo-là pour lui donner de la force. Et j'aimerais aussi que vous commentez, lui disant que même s'il a souvent des sorties qui ne plaisent pas à certains groupes de fans, il reste un des piliers du mouvement Coupé Décalé. Donc il ne peut arrêter sa carrière musicale. Donc je compte vraiment sur vous pour le soutien. Exprimez-le en commentaire et vive Virtual Olas. Tu n'as pas le droit d'arrêter ta carrière musicale. Donc en résumé, Safari Le Prince ne s'est pas marié, mais par contre, il a un grand concert à Paris, au Doc Eiffel. Une salle qui peut contenir jusqu'à 2500 personnes. Et j'aimerais que tous les fans du Coupé Décalé et de la musique ivoirienne se déplacent massivement ce jour-là. Il viendra avec ses chinois, c'est super chorégraphe, donc ce sera un show inédit. Virtual Olas nous dit arrêter sa carrière. Et moi, je suis convaincu d'une chose, il a trop l'amour de la musique pour arrêter sa carrière de maintenant. En tout cas, partagez la vidéo si elle vous a plu. Et puis c'était Eriton. Il y a un autre quelque chose en cours encore.